Petite question, comment ça se fait justement que tu sois mangé une expansion agressive de malade comme ça? Il a vassalisé la Toulouse, je pense que c'est ça, mais ça, oui, je trouve ça un Ouais. peu Ah violent. oui, c'est ça, il a vassalisé Toulouse! Oh! Polotsk vient de popper! Smolensk aussi! Mais bon, la Lituanie a pris sa taille normale, tu vois. C'est... Ouais, c'est ça! Elle a encore des comptoirs sur la mer Noire, sur la mer d'Azov! Des comptoirs criméens! Et au courant, Ghost, apparemment que tu pourrais rentrer dans la coalition de Wind? Je ne peux pas. Pas assez d'expansion agressive. Tu crois que j'ai pas regardé? D'après la carte, t'as en ressens 57. T'es rentré dans une coalition. 57, mais c'est un mensonge. J'en ai même pas 30 apparemment. Ce mec est un menteur. Ghost, tu es menteur. La carte de Paradox ou toi? C'est bon, j'ai trouvé pourquoi, c'est bon. Ah, Cap, tu t'es fait plaisir, hein? Oh la vache! Oh putain, l'ancien c'est très bon. Oui, la sens-tu qui se... Oui, c'est arrivé! Oh là là, oui. Oh le Portugal! Mon dieu, en plus c'est équilibré, je veux pas dire, mais... Ah le Portugal! Il a lancé la coalition. La Bohème va déguster. La Bohème et l'Autriche qui vont s'entretuer. Mais justement, j'ai envie de garder la guerre juste pour ça. Allez, chouan, choisis ton camp et tente ta chance. Mais moi, j'ai la mission conquérir la Silésie, donc c'est peut-être le moment, je vais dire. Bon. En plus, je vois que t'as de l'argent au stock. Bah alors, Wind, hein. T'as presque 25, hein. À la dernière session, tu insultais les gens, Wind. Tu traitais les gens de sourasses et de chiens, tu te rappelles? Souviens-toi, Wind. Non mais il a oublié, c'était il y a une semaine, il est tombé malade depuis, tu vois, là, il y a une heure, il est tombé malade, il a tout oublié. Allez, colonisons la Sibérie. Bon, cette guerre, ça en est où, là? 0% pour l'instant. Mais le bohémien, il est balèze, j'ose pas l'attaquer, hein. Moi, je vois le bohémien, l'autrichien, ah, il est très là. Fort, hein, le bohémien. Le bohémien n'a plus que 40 000 hommes. Hein. Younstar, tu sais que le suédois est en train de se faire bouffer par ses rebelles, hein. Oui, oui, ça je le sais, c'est pour ça que je vais attaquer, mais j'attendais que ma trêve se finisse, là, c'est terminé il y a 3 mois. Je pourrais faire une paix blanche. Youn, si j'attaque la Bohème, est-ce que tu vas la défendre? Je serai présent sur le papier. Hein. Attention, oui, Dénos! Que je suis en train de te battre grâce à la surpuissance de la Bohème qui est. What? D'où elle a 50 000 hommes la Bohème? Bah alors, Ghost, je crois que tu vas donner Lisbonne. On a voulu me mettre un coup de bite, hein. Donc, ah non, attends, je viens de remarquer une armée de 30 000 Français. Attends qu'elle vienne. Allez, Ghost, la sens-tu? Il a récupéré sa langue, tu sais, après avoir fait caca sur son siège. Si tu veux, on peut faire une paix où tu donnes 200 ducats. Hein. Oh, il a balancé 3 000. Tu sais ce que je vais faire? Bah, je vais bouffer la Castille dans cette bière. Et après, je viendrai m'occuper de toi. Eh, t'as de la chance, j'ai pas d'homme en Europe. Non, mais c'est pas que tu as de la chance, c'est que toi, tu t'es complètement fait baiser. C'est pas pareil. Non, mais en fait, c'est que le français est relativement faible et la Bohème, elle est costaud en fait. Ghost à l'armée, j'avais un de mes soldats, quand il revenait de mission, il appelait sa femme et il disait PTCMBA. Et puis un jour, je lui demande, mais ça veut dire quoi PTCMBA? Ça veut dire prépare ton cul, ma bite arrive. Oh, Wind, bon. Il va te faire un PTCMBA, tu vois, il te l'annonce. La crête est retenue, mon vassal. Oh bah Boris est mort tragiquement. Oh bah c'est con hein, j'ai un 2-6-3 maintenant. Je veux pas dire mais le bohémien il a pris le français et l'autrichien, tous les deux les a retournés. Ouais, c'est moi ou monsieur Dracula est en train de reprendre son empire. Moi je veux qu'il bouffe, comme ça je pourrais le bastaniser le balachi. Ouais doucement Kat hein. Ça concède la défaite, avoue que tu as perdu, c'est bien ça. Ouais ta gueule. Mais il a rien perdu Ghost. Oh mais Ghost il fallait le... J'ai le français et l'autrichien qui se font prendre par le bohémien quoi. T'es nul Ghost, t'es nul. Il y a Ovin qui vient desserrer les chemins. Tu viens de rater mais la fenêtre d'opportunité de malade mental. Il en aura d'autres je pense. Non mais la Bohème elle s'effondra pas là telle qu'elle est partie. Le français est trop faible et l'Autriche aussi. Le seul qui pouvait éventuellement lui faire de l'ombre c'était le polonais s'il était allié au lituanien. Puis vu que la Lituanie s'est vautrée. Tiens le plutocratique ça a l'air d'être pas mal comme idée. Ah j'adore. Bah disons qu'au bout d'un moment ça devient très vite nécessaire. Saint-Empire. La Bohème, la Bohème va rester empereur à un moment, je crois. Yaroslav Ier. Chouan, ça va? Surtout, il me déteste. Chouan. Putain, mais avec 3000 hommes, sans canon et sans général, il arrive à prendre des sièges plus vite que moi. Attends, mariage royal avec la Pologne. Si je mets un Rurikovic sur son trône polonais, ça peut être drôle, hein. Tu peux essayer, c'est un Hohenzollern. Je viens d'annexer du Galdir, j'accepte la culture turque. L'Autriche voulait pas entrer en guerre avec moi parce qu'elle était endettée, je lui ai filé 200 ducats, maintenant elle veut bien, tu vois. Bizarre. J'ai dû désendetter les Habsbourg. Parce que c'est ça, okay. Je lis sous. Je fais une game magnifique et c'est chaud. Dès qu'il peut me troller, c'est juste pour qu'on fasse mon. Il déteste. Y'a, elle rigole comme une hyène. La hyène de la rue dans les guignols, la Zaza, tu sais. Zaza! Tu vois,
vois là ce que je suis en train de faire à l'Ottoman, Kat? Tu vois la masse de troupes? Tu sais que je pourrais directement sauter dans la foulée sur la Grèce? Méchant. Je vais commencer à poser mes claims sur Constantinople, hein. Kat, mon frère, regarde où je suis. Mais qu'est-ce que tu fais là, Matin? Bah, il me faut du score de guerre, alors je viens chez toi le prendre. Mais le bohémien, il va rester en poids, ce con, en plus. Ah, mais le bohémien va te rouler dessus avec mon accord. Tu ne comprends pas encore. Jouant, si tu m'aides à me débarrasser de Venise, tu auras le concours de mes armées pour écraser la bohème. Ah bah oui, t'es pas déjà assez monstrueux, toi. Je te demande rien en échange, je veux juste que tu écrases le Vénitien. Mais j'ai rien fait. T'as tout ça d'armée, t'as 26 000 hommes, Kat. Faites pas confiance à Pépé, ils veulent séparer les Européens pour mieux les bouffer. Exactement, c'est toi, sans lui qu'en toi, Owen. Toi t'es pas Européen, Youn, ok? Je suis pas Européen en tant que Suédois. Je tiens à dire que je ne suis pas Européen non plus, hein. Voilà. D'ailleurs, Scorpion, je pense qu'on va bien s'entendre, toi et moi. Faudra qu'on fasse une convée séparée parce qu'on a beaucoup en commun. Tu sais, moi j'aurais du pétrole à bas coût, donc ça me va. Quand on continuera la partie sur Hard of Iron 2. Je demande à l'Ottoman un score de guerre de 87%. Oh la vache. Et je suis à 74, c'est bon. Putain, 4, tu t'es fait plaisir, mon salaud, hein. D'ailleurs, l'Albanie s'est libérée du Byzantin. Bon, bah, moi je viole gentiment Novgorod, hein, parce que j'ai des claims dessus. Ah oh, putain, les réformes monétaires. L'Anatolie a été sécurisée. Le Holstein, vite. Arrête de t'exciter. Il est excité comme ça. Voilà, oh, il en peut plus, Winda, c'est pas mais... C'est les hormones de la puberté, hein. On a trouvé une mosquée en Macédoine, les gars. Ils ont trouvé une mosquée en Macédoine. Tu sais par contre, Youn, que l'Holstein fait partie du Saint-Empire, donc si tu déclares la guerre, la Bohème va l'aider. Je sais où est la limite du Saint-Empire, donc ce qui fait que je surveillerai toujours au moment où j'attaque. Hein. Si tu fais ça pour me faire peur, bon. J'ai Fyodor Grikovitch, c'est un tueur le gars, général 2 étoiles. C'est pas vrai, mais le Danemark, tu fais chier à toujours te trouver des alliés. Oh, la Norvège et le Oldenbourg, quoi. Mais non, mais franchement, la Bohème, elle est surpuissante. Kat, si tu déclares la guerre à l'Autriche, je t'attaque, je te backstab. Pépé, tu touches à la Kat, je te backstab. Non seulement tu me fais pas peur, mais en plus tu me fais bien marrer, tu vois. Putain, je m'attendais à un gros event, une compagnie qui a du succès, plus 7 du cœur. Oh, et puis j'ai du copper, hein, c'est bien ça. Bon, je pense que j'ai suffisamment d'esclaves pour fournir mes plantations. Puisque je n'ai pas pu me servir des esclaves du Maroc, j'ai dû partir plus bas. Wow. Le Hongrois est en guerre contre l'Autriche, et tu sais, l'Autrichien il va prendre une province au milieu. Ah, d'ailleurs, le Hongrois il a bien grossi, hein. 26 000 hommes, 4. Les pyramides elles sont pas rondes, hein. Oh ta gueule, toi. Je les ai rasées, les pyramides, y'en a plus, tu vois. Si, mais c'est toutes des mosquées. C'est des mosquées maintenant. Ah, non, j'ai pris les pierres pour faire des mosquées, voilà, tout simplement. Oh mon héritier, oh non. Oh non, c'est un bon, c'est un 3-4-4, ouais. Mais tu n'as pas honte, Pépé? Le patrimoine, Kéops est devenu un imam. Ah, il est mort! Ta gueule! Ta gueule, Scorpion! Scorpion, tu l'as empoisonné avec ton venin! Yeah, Scorpion, Tartanax! Oh putain, là j'ai pris un monster kill là. Chouan, espèce d'ordure! Il s'est allié au Holstein! Tu n'avanceras pas, tu vois. Youn, nous pouvons discuter des termes de l'annexion de Chouan. Chouan, je te préviens, si jamais tu viens dans le coin, ça va pas le faire. Hein. Surtout qu'il y a une province qui n'est pas dans le Saint-Empire. Facile, je veux pas dire, mais Owen a pas mal de vassaux en Italie, hein. Il remonte là, Kat. Oh, Toulouse! Est-ce que je peux donner Rome à Nevasson? Le problème, c'est le malus lié à la conquête de Rome, tu sais. Oui, moi, c'est 10 le vassal. De prestige par an. Oh, le Balouchistan en train de se faire éclater par mes vassaux! Ah ah, le Balouchistan! Bon, 4, j'ai 40 000 hommes et j'en ai presque 60 000 avec mes mignons. Va falloir qu'on discute, hein, maintenant. T'es méchant. Oh putain, t'as pris le Kosovo en plus, oh petit fou. Ah non, il allait prendre les mines d'or et tout, tu vois. On a un Suédois là! Ah, je grossis petit à petit. Ah, tu vas bientôt pouvoir créer la Scandinavie, toi! Yep. Chou, hein, tu sens le souffle chaud de la bête sur ta nuque. Excitant, entre la Bohème intuable au sud et la Scandinavie qui va popper au nord, j'ai très peur. Ouais. La Moscovie qui va venir à l'est, voilà. Il va falloir être diplomate, Chou, pour une fois. Hein. Bah, ça dépend. Tu vas la comprendre. Hein. Si tu sais que moi, personnellement, d'après la carte d'aujourd'hui, je vois que Kaliningrad me revient de droit, donc je m'arrête pas cette fois. Allie-toi à la Bohème. Oui, mais enfin, c'est fait en fait. Le bohémien va attaquer le Mabou. Le bohémien n'a jamais été autant aimé quoi sur une game. Ouais. Okay. Le boom d'une compagnie commerciale plus 1200 ducats. Moi, dès que j'ai des compagnies commerciales qui font boom, c'est 10 ducats, tu sais. Non, mais je viens de prendre 3 events à la suite, moins 3 de stabilité. Putain, mais non, mais alors ça. Zeb, ce que je te conseille de faire, c'est mettre ton armée à Ceuta et Tangier sans maintenance. T'inquiète pas, je surveille les côtes. Si Ghost te surveille les côtes, tout va bien. Oh
C'est bon, il surveille les côtes, les gars. N'aie pas, pas peur. Le sultan vient de mourir. Oh, c'est bon, tu vas tomber à moins 4. Ça a enlevé mon désastre qui arrive. Le conseil de régence de Zep à 1-3. Ouais, mais regarde mon successeur. Ah, il est pas mal, effectivement. 4-4-4. Il y a beaucoup de bateaux qui traînent vénitiens, là. Yalot, il est en train de faire du renseignement, l'espèce de petite salope. Je me renseigne sur tes mouvements. Je veux pas dire, mais je crains pour le destin du caraman, hein. Il est au milieu de Pépé, tu sais. Il est allié au Caracolou. Caracolou, tu te bats d'ailleurs, Pépé. Quoi? Ah ouais. Putain, il y a 40 000 mecs du... Oh là là. LOL, c'est quoi ça? J'ai gagné des claims sur tout le Maroc. Oh, cet event totalement pété. Avec qui? Toutes les côtes du Maroc sont claimées par le Porto, ça. Ah, cet event totalement pété. Bon, il paraît que t'es un peu dans la merde. Non, si peu. Enfin, pas encore. Oh non, je vais perdre cette bataille, il est à moins d'un teint. Bon, voilà, j'ai les Bermudes, ça fait un putain de corps, ça. Yeah. Putain, il y va comme un bourrin. Oh là 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 là. Zep, quel brave allié. Zep, à quoi tu t'attends? Oh là, mon pauvre. Fidèle à lui-même. C'est pas de ma faute si tu te fais déclarer la guerre, donc. C'est pas ma faute si en tant que fidèle allié tu suis pas. Ouais, je comprends pas ce comportement. Non, mais je m'en souviendrai, c'est que Zep, tu sais, quand tu viendras de Nordé à l'aide, on m'attaque, bah. Mais ta gueule. Ta gueule, hein. Je vais tout casser. Si vous touchez, allez. Ah non, ta gueule, ta gueule, quoi. Ah non, je suis mort. Oh. C'est quoi cette histoire? Je vais. Oh, c'est quoi cette histoire? Oh, la coalition. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Tu sais que je peux la rejoindre si je suis pas en guerre. Allez Youn, vas-y. Vas-y, y a un peu de coups, il a débarrassé d'un rival. Ouais, mais sauf que je suis en guerre. Sauf que je suis en guerre, donc pour l'instant je peux pas. Mais j'ai rien fait. Allez Youn. J'ai rien fait, tout d'un coup tout le monde veut. Mais ouais, c'est tous les petits pays, tout d'un coup ils me détestent. J'ai rien fait, quoi. T'es sûr? J'ai diplômé avec Soulanov, j'aurais pas dit. Allez, une petite réforme de l'armée et c'est parti, on défonce Novgorod, on termine. Youn, tu ne verras plus ces sales taches vertes au nord de mon pays. Bah tant mieux, parce que vu qu'il me vomit. Moi je me fais plus 4 et je fais et pourtant j'explose ma force navale. Putain, ma manpower qui est en train de foutre le camp à une vitesse. Heureusement, lui aussi a l'air d'être à court de manpower. Ça fait des batailles monstrueuses. Mais mignon, plus d'hommes que lui dans le sud. Allez les gars, allez! C'est mignon, t'as qui que mignon? T'as le Kandar? J'ai 5 vassaux. Ouais, putain, t'es allé chercher où les jazz? Ça va, Zep, t'es en train de redresser la barre là? Il a jamais. Tu sais, en même temps, il a fait la guerre, il a bouffé Tunis. Tranquille, Zep, tu sais. De toute façon, tu aurais voulu que je fasse quoi? Que je vienne avec toi en guerre contre le Caracoyo? Me filer un petit coup de main, genre un petit corps expéditionnaire de 6000 hommes aurait été plus qu'apprécié. Ouais, c'est mais. C'est aussi tes alliés, mec, hein. Ouais, mais. Non, c'est les alliés, elles passent après la sauvegarde de son territoire national, tu vois. Bah, bizarrement, tes troupes, elles allaient plutôt garder la sauvegarde du territoire tunisien, hein. En clair, il y a quelqu'un qui est en train de monter contre moi. Moi, je ne demande qu'à m'entendre avec toi, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas réciproque. Bah, tais-toi, Scorpion, tout dépend de ce que tu proposes, Chouin. Ouais, comme d'habitude, tu veux mon cul, Danzig, Lübeck. Oh, il accepte la plus. Non, Danzig, j'en veux pas. Danzig, j'en veux pas. Lübeck, je suis prêt à te le laisser si on fait à peu près un 50-50 de temps. Faites pas j'ai mal. J'ai gagné la guerre, putain. Bah alors. Ouais. Toi, tu pleures. Quel enculé. Parce que moi, tu vois, je j'ai aucune véritable raison d'aller te taper dessus, hein. Et en pleine guerre, je vais pas dire Pépé qui intègre ses deux vassaux sans pression. Un seul, et le plus gros. Ghost, je veux pas dire pourquoi t'attaques pas l'Aragonais, puisqu'il vraiment, il est en train de perdre la guerre, c'est une catastrophe pour lui. Il est moins 30, mais Ghost, t'es un lâche. Qu'est-ce que tu branles, quoi? Ouais, c'était genre le moment de pouvoir être tranquille pendant un bout. Ah, mais grave! Et récupérer la province. Je dis pas que t'aurais été sauvé, mais en tout cas tranquille, quoi. C'est risqué, mais là, regarde, le Bohémien n'a plus de troupes, le Français a repris le dessus. Ah, tu as dû relâcher Rouergue, je vois. Et tu as dû redonner le Périgord à la France. Ah, tiens, bah, Ghost, tu as loupé complètement ton créneau, bravo. Win, ça aurait changé quelque chose de voir un Ghost arriver. Non, vu que c'est une coalition, il aurait perdu dès que j'aurais fait la paix, donc. Et n'empêche que maintenant, t'es tranquille, vu qu'il n'y a plus de coalition. Finalement, t'as donné rien du tout. J'ai libéré Naples, quand même. T'as libéré Naples, mais. Oh, j'ai fait un misclic affreux. Oh là là, les rebelles que je viens de prendre. Putain, j'étais monté à 11 d'inflation, quoi. Ouf. 11 oh, Je me suis pris 2 events à la suite, j'en avais 5, j'en suis pris 2 plus 3 d'inflation. Je remonte à 80 navires, 4, vu que je récupère les 3 galères de mon nouveau vassal. T'as faudrait que je me fasse un vassal musulman là dans le sud pour bouffer toutes les merdes jusqu'en Caucase. Bah tu prends Nogai. Ouais, Nogai, non, je vais voir qui sont les... Même la Horde d'Or, il n'y a plus que 3 provinces. Oh, Alia la Crimée, ouais. Non, la Horde d'Or c'est un vassal déjà. Non, je vais aller prendre Nogai, t'as raison. Mais la violence, tu sais que c'est mon plaisir secret. Oui, je sais, je m'en rappelle. La violence.
C'est tellement moche. Tu verrais quand il fait sa muse, c'est moche. Hein. C'est ah ouais, mais le Portugal, t'as perdu. T'as vendu Andalousie et Cadix? J'ai vendu. On va pas se mentir, Zep, je migre au Maroc. Je vais installer la colonie algérienne. Là, c'est, tu vas voir le Portugal avec Lisbonne en Europe et puis l'énorme Afrique centrale. C'est ça. Mais je sais pas pourquoi je lag comme ça. C'est le lag des signes. Oh là 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 là. Bravo, ouais. Bravo, là elle était très très bien trouvée. Bravo. Il est mort de rire, je suis rentré. Le pire, c'est qu'il en est fier, quoi. Comment ça se fait que toi, le Mamelouk, je sais que tu as westernize, et quand c'est goût, je ne savais pas. Aucune idée. Kat, tu m'en voudras pas, hein. Pourquoi t'es Kat, tu m'en voudras pas. Comme rival, what the fuck. Pose 101 de score de guerre pour vassaliser Naples. Ah, t'es tellement baisé. Bon, prochain vassal, Nogai. C'est parti, on va mettre nos hommes à la frontière, ils vont s'attendre à rien. Prochain vassal, Norvège. Toi, mon petit Zeppelin, il va falloir que t'apprennes, je crois. Hein. D'où le ghost allait te donner des provinces, tu es fou. Je donne rien, tu le sais bien. Oui, on verra. Ghost, il donne des provinces sûrement par la guerre ou quand il se prend des branlés, mais monstrueux, tu vois. Ou quand le commerce est intéressant. Ouais, quand il est PD. Pourquoi quand il est PD? Je comprends pas ça. Il est PD, c'est rigolo. Il s'encule, je mange. Il t'encule. Il met leur zizi dans les fesses de leurs copains. Il fait sur le caca après. C'est ce qu'on appelle l'humour belge, tu sais, c'est... malheureusement. Le caca. 18 000 hommes, Venise. Pourquoi Fritz Land me déteste? Parce qu'il a frisé peut-être, non? Oh oui, t'as su ses chouans pour faire des gags de merde ou comment? T'as su c'est un belge. J'aime bien Venise est minuscule, mais il a Byzance et la Bosnie en vassal, quoi. Pourquoi j'ai un navire portugais à mes côtes alors que je t'ai jamais fait chier le portugais là? Gestionne, c'est rien, je me tiens informé de ce qui se passe en Europe. Mais si tu regardes bien, il y a des navires portugais sur toutes tes côtes. Ben oui, je vois. Je me demande bien pourquoi ce qu'ils foutent là. Oh, le Brandebourg qui est pas, regarde-moi ces bonus. Oui, j'avoue que j'ai un peu du mal à le croire. Une star, je crois que notre grande alliance millénaire va commencer. La Bohème m'a suivi contre le Danemark. Ah mais j'avais oublié en fait que le Danemark je vais faire relâcher la Norvège et la Norvège c'était ma prochaine cible. Gagner de l'influence papale, le français tu veux pas faire la paix là? Son pays est occupé à 100%. Le français c'est un connard, il faut qu'on le tape. Oh merde, putain, conseil de régence, non, je pourrais pas déclarer la guerre. Bon bah. National Unrest moins 3, le bon mec qui arrive au bon moment. Pourquoi il y a 25 000 Aragonais à Constantinople? Non, mais c'est parce qu'on fait des voyages linguistiques. Ouais, non, ça sent la guerre ça. Non, ça sent le kebab. Allez, mes petits espions, retournez en place. Surtout que Venise, tu te rends même pas compte qu'il va te défoncer tôt ou tard quand il va remonter en Italie et compagnie, tu vois. C'est clair. Tu troques juste un ennemi contre un autre, mais bon. Sauf que lui, il est déjà européen. Soit tu me défends, soit je me fais défoncer de par le cul. Je dois décider par quel coup. Ouais, mais sauf que moi, je peux être arrangeant parce que je veux juste Constantinople, tu vois. On s'en fout, il va vouloir toute l'Italie, tu vois. Excellente année, 1600 de manpower. Oh putain, je monte à 64 000 de 12 là. Et toi, Pépé, tu dois monter assez haut, tiens, avec la Turquie maintenant. Avec quoi? Je suis à 60 000 et quelques. Ouais, t'es comment? Oh, l'Angleterre! Il a bouffé entièrement le. Oui, bah il l'avait vassalisé de toute façon. T'as vassalisé le Holstein, dis donc. J'ai dit que je voulais un tampon, j'ai mon tampon. T'as 100% de score de guerre, fais la paix contre français! Ah, quand même! Oh! Ouh là là! Il a tout mangé. Il a tout bouffé, ouais. Coalition. 38 avec tous ses voisins, 46. Non, la Bohème pour l'instant n'entrera pas dans coalition, elle est en guerre avec moi. Qu'est-ce que t'as fait, Youn? J'ai attaqué le Danemark. Elle voulait me suivre. C'est un beau bébé maintenant le français, hein? C'est pas mal cette game, ça s'annonce bien là, le bloc du Nord, Brandebourg, Pologne et France là qui veulent détruire le bloc du Sud, Bohème. Ouais, mais moi j'ai 25 000 Aragonais à Constantinople, tu vois, ça m'inquiète.